allons en faire ici une application de la vidéo précédente, en espérant que ça vous donne des idées pour aller après par la suite plus loin. Donc je vais utiliser un torus, je vais aller dans l'espace objet du torus, je vais mettre un nœud transform pour pouvoir le positionner différemment en faisant une rotation à 90, c'est-à-dire 90 degrés. Je vais utiliser toujours le lattice, je vais mettre le nœud lattice. Alors le nœud lattice va avoir une branche directe en utilisant l'objet natif, on l'a vu. Et ici, je vais créer une coquille de déformation, puisque c'est le fondement même du lattice. Comme dans l'autre vidéo, je vais créer un groupe. Ce groupe, je vais vous montrer une particularité. Je vais rester en primitif, ce qui va être mieux pour Visibility, puisque Visibility exige absolument des primitifs. Donc ici, je vais créer un groupe avec des primitifs. Mais néanmoins, avant, je bascule en mode segment. Je fais double-clic pour prendre tous les segments. Mais il veut des primitifs, et c'est légitime, puisque je suis ici en groupe type primitif, et comme je vous ai dit, le nœud de visibilité est très regardant à ce concept. Donc il n'y a aucun souci, vous pouvez faire bouton de droite, convert selection to primitive selection. Voilà, maintenant j'ai mes primitifs, je vais tout simplement faire enter, et maintenant mes primitifs sont sélectionnés. Tape visibility, j'active visibility, je choisis apply to no selected, je choisis le groupe 1, maintenant je vais mettre un nœud color. Je vais choisir une couleur très visible. Tab Soft Transformation. Le Soft Transformation, je vais cliquer ici pour groupe. Je vais prendre ce point et faire Enter. Donc le Soft Transformation a simplement un point. Je vais maintenant activer le nœud Lattice. Utiliser le tronc commun comme grille déformation. Et les déformations, je vais aller après le Soft Transformation. Dans Lattice, nous savons que je dois mettre en mode Point. Chose particulière maintenant, c'est que pour visualiser la rotation, parce que ça va tourner, je vais mettre un nœud UV Shade. Donc voici le nœud UV Quick Shade. Choisir une projection sur Z. Je change l'orientation de ma vue. Je vais mettre un Transform sur l'objet source. Je reviens sur le Soft Transformation. Le Soft Transformation a un point qui a été sélectionné. Et voici son déplacement. Je vais accentuer son déplacement. Gérer le soft transformation et revenir dans le lattice pour gérer aussi l'influence du soft transformation. Je reviens et je rééquilibre mes influences. Très bien, je remets à zéro. Et partons du principe que je vais animer ce soft transformation et uniquement le channel Y. Bilan sur le premier frame, je fais Alt bouton de gauche sur la translation et je vais animer la translation. Et on a comme ça forcément la translation qui est animée. Mais ce qui va m'intéresser maintenant, c'est que cette translation va piloter la transformation de la géométrie native. Copie paramètres, je viens sur la transformation sur translation Y et je vais faire pass relatif référence. Bilan, l'objet monte. Sur l'expression, je vais demander justement qu'il descende. Donc je vais mettre moins enter. Et donc il descend. Donc on voit ici qu'il descend trop. Donc j'ai plusieurs techniques. Ici, je vais diviser par 3 à la force et retester. Je reviens sur le soft. Maintenant sur le premier frame, je vais faire une clé nulle sur le scale Z. Alt, bouton de gauche. Je vais venir sur la clé où il y a l'écrasement. Et je vais modifier l'échelle pour varier l'écrasement du pneu. On a comme ça automatiquement un écrasement par rapport à ce que la roue donne la sensation de toucher le sol. La valeur est de 1,21 et par défaut c'est 0 sur 1. Vous pouvez donc maintenant vous amuser à chaque fois avec 0, 0. 1,21, ou jouer sur des contrôles de cycle, remettant toujours les valeurs comprises entre 1 et 21 en fonction du translate ou du scale. Maintenant je reviens sur la transformation de l'objet natif qui nourrit la première entrée du lattice. Je me mets sur le premier frame et j'ai ici les valeurs de rotation sur Z. Sur le premier frame je vais faire une clé, sur le dernier frame je vais tourner dans la vue. Revenir à l'espace objet et regarder mon animation. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est de bien comprendre les concepts et pas utiliser toujours des automatismes de soft body qui parfois sont vraiment très très intéressants. Mais l'objectif est qu'avec ces cocktails, vous découvrez vous-même l'univers d'Houdini et des petites astuces qui peuvent être très pragmatiques. À bientôt.